C'est pas une punition, c'est, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Y'a plus de mur. J'éteins, je décache. Y'a plus de mur. C'est pas cher. Hello. Salut. Comment ils vont? Comment ils vont tous? Qui c'est qu'il y a d'autres? Lee, bien sûr. David Arr. Alors, comment il va, le Philippe? Bah, écoute, il va. Salut, Malou. Il va. Tranquille ou quoi? Ouais. Bah, il va. Fait comme il peut. C'est bien. Fait comme il peut. Alors, par quoi que qu'on commence? Bah, je sais pas. Donc, tu disais éventuellement, soit faire tes parties de piano, là, sur le morceau, c'est ça? Ouais. Soit tu voulais faire écouter le master? Bah ouais. Bon, alors les Jeux Olympiques, ils vont pas avoir lieu, en fait. Hein. Bah je sais pas, c'est vrai, ils vont pas avoir lieu. Bah je crois que j'aurais dû peut-être mettre une pièce. C'est vrai? Salut Malou. Tiens, j'aurais peut-être dû mettre une pièce, hein, parce que là... T'aurais gagné s'il reste 113 jours, il reste. Hein. 113? Putain. Ouais. Oh la vache. Putain, je suis obligé de noter. Putain. Moi, oui, je vais marquer oui, zéro, bah oui. Bientôt marquer zéro. Alors, bientôt, ouais, maintenant, c'est pour moi, j'ai dit, c'est les jeux LGBT olympiques. Ah oui. Ah ouais, Q+. Ouais. Plus. Q+. Plus. 113 jours et puis 140, je sais plus, 146 pour les paras. Puis les médailles, c'est plus des médailles, puis t'as des hauts, comme ça, puis en bas, t'as des Q. C'est pas mal. Alors, ah non, mais tu dis ça parce que t'as entendu des trucs, sûrement. Ah, bah, non. Je, tout le monde dit que ça va pas se faire, quoi. C'est au minimum la soirée, la fête d'intro, quoi. Ça va se finir dans le stade de la mairie d'Ivry, hein. C'est parti comme ça. C'est... Oh là, il y a orage, là, il y a attentat. Tout le monde dans le stade de la mairie. Ça va être comme ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, ouais. Mais bon, je... Le fil rouge, Sophie, ça, c'est le lundi. Ouais. Non, mais j'espère que le poisson d'avril vous a plu. Quand même. Mais a priori, ça leur a plu. Ouais. Ils sont comme des fous. Ils veulent m'attacher à une chaise et tout. Ils veulent être violents. Ils veulent être violents. Mais j'ai rien fait, moi.
Bien, bien. Donc, je sais pas. Ah, les natifs, elles apparaissent plus. Ah ben. Putain. Pourtant, je l'ai lancé à 20h, Jacques. Donc, je pense que la notif, la dernière, elle tape à 20h30. Ah, peut-être, ouais. Moi, je l'ai reçu, mais bon. Sur un autre, sur un autre compte, hein, je parle pas sur ce compte-là. Mais ça va dire, mais je l'ai pas reçu sur mon... Eric, traître, pourquoi ? Vas-y, toi, vas-y, viens, viens, qu'est-ce qu'il y a ? Traître. Non, c'est pas traître, c'est joueur. C'est pas pareil. Joueur, c'est pas pareil. Vous avez encore toutes vos chances, hein, je rappelle. Hein. Mais on, là, on est mercredi, on va parler Zik. Vous allez voir. Alors, aujourd'hui, donc, je proposais à Philippe et à tous, c'est de finir Ça va fumier. Donc, et d'abord, on va vous faire écouter le master final de Macron Destitution. Qui va, vous, qui va être le futur tube de l'été, je pense. Ouais. Parce que là, vu comment on est parti, c'est... ça peut. Hein. Mais par contre, j'ai un gros problème. J'y ai pensé tout à l'heure. J'ai fait, elle n'est pas passée, la loi, encore. Non, elle n'est pas passée. Bon, encore. On peut le mettre. Alors. c'est bon, on peut y aller. C'est en cours, hein, mais bon. Non, mais non, non, non. Ce sera à la rentrée. Qui pense que ça ne passera pas. Non, ça sera à la rentrée. Ce sera pas maintenant, ce sera à la rentrée. Pendant les vacances, on va faire ce qu'on veut. Oh, allez. Tu veux dire la fameuse loi où j'ai le droit de t'appeler et dire par exemple, un tel, c'est un connard. Ouais, là, je pourrais te dénoncer. Mais toi, tu pourrais aussi me dénoncer pour dire que ce que je dis, c'est pas vrai. Et puis moi, je pourrais dire non, non, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est comme ça. Ah, c'est terrible. C'est orwellien. C'est ça. C'est et ceux qui savent pas jouer à ça, bah, ils sont niqués. Voilà. Ah, putain, je te jure. Eh ouais, mais il faut pas y penser parce que sinon. Ouf. Alors, bah on va écouter une chanson qui va nous faire. Cramer la chaîne. Qui va nous faire penser à autre chose. Hein. Ça va être bien, vous allez voir. Donc, peut-être pour la première et la dernière fois, la version finale, juste avant le clip, celle qui va servir pour le clip. T'es sûr qu'elle est finale, celle-là ? Bah, ah, tu veux que je rajoute la voix de la demoiselle que je n'ai pas trouvée que. Que je t'ai envoyé tout à l'heure pendant qu'on parlait. Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas reçu, donc que je ne peux pas savoir, quoi. Hein, c'est... Là, je n'ai rien... Je ne peux pas ouvrir Signal en même temps, en fait. Tu me l'as envoyé par Signal. Ouais. Je ne peux pas l'ouvrir en même temps, sinon ça coupe la vidéo de là où je suis. Mais c'est pas... Cool. Donc, voilà. c'est pas la version finale, c'est juste avant que je rajoute une voix. Une voix de plus sur les refrains, voilà. Bon, on va la mettre quand même, hein, parce que... Bah oui. C'est bon, on peut la mettre. Vas-y. De toute façon, il y aura juste la voix en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Sur les refrains. Alors, et où voilà, celui-là. Ah, il n'y a plus de son. Bah oui, c'est normal. Tu as l'aise, Blaise, bonjour les foutaises. Alors, comment on peut pas remettre à zéro, ouais, c'est sûr. Si, j'en démarre une deuxième. Je suis plus à l'aise, Blaise, bonjour les foutaises, comme citoyen, je suis bon à rien. C'est pas une insulte, mais ça en résulte. Va te faire faire une turlute. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, explosion. Quel hypercute. Ma musique box, toutes les instituts qui nous jouent la flûte. Ce serait vraiment une belle consulte. Et tu préfères les brutes. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, explosion. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron.
Ryan May est avec nous. Bonjour Brian. Je suis plus à l'aise, Blaise, te fais pas des mecs. Tu vas manger ton steak. Et à la voix plastique perte. Avec moi tu seras plus jamais à l'aise. T'approches pas de la falaise. Quand tu repars avec ta pute, c'est bien pour tirer des buts. Arrête de nous jouer de la flûte. T'es occulte, t'es inculte. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Oui. Ça pète sa mère. Bien. Ouais. T'as bien bossé. Voilà, c'est cool. Ça, c'est fait. Putréfaction. Putréfaction. Avec sa momie. Ah, ils sont durs, ils sont durs. Ah, tu m'étonnes. Donc, j'ai essayé de retrouver la voix du cinquième élément. C'est... La voix de. C'est pas c'est elle sonne pas trop mal. Macron, ouais. Ah non, ça envoie. Hein. Bah, j'espère que ça va envoyer un peu. Quand ça sera fini. En lecture. Ah, en lecture. En bonne qualité. Enfin, tu vois, pas à travers StreamYard qui bouffe la moitié du son. Ouais, ouais. Ça sera encore mieux, quoi. Et toi, tu l'as entendu en stéréo, ça va? Ouais, je pense. Ça a quand même un peu de stéréo, quoi. Mais cela dit, toi, quand t'as joué l'autre fois, c'était en mono ce que j'entendais. C'est pour ça. Oui. Mais bon, c'est parce que toi, tu passes à gauche, sinon t'as le micro que à gauche. Ouais. Bah ouais. Là c'est écrit que c'est en mono. Alors, je sais pas. Ah, d'accord. Je viens de vérifier. Mais voilà, quoi. Ça, c'est une super chanson, c'est clair. Ouais, au Stade de France, ouais, ça peut être marrant. Mais je crois qu'ils le font au Stade de France quand ils attendent la vedette. Ils attendent, ils sont comme ça. Ouais. Et là, t'imagines, il y aurait le public comme ça. Et tu commences la musique derrière qui monte. Comme ça, les mecs se mettent en rythme. En transe. Ça serait bon. Ça serait bon. Peut-être un jour. Des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. Tout. Des partages. J'ai besoin de tout. Ouais. À Clédine et au stéréo, ou d'abord. Ouais. Ah, là, c'est vieux, hein, ça. Ouh, madame. À Clédine et au stéréo. Ouais, j'aimerais bien qu'Eddie Mitchell ressorte un album. Ce serait bien. Il n'est pas mort? Non, pas encore. Mais peut-être pour ça qu'il n'a pas envie de faire un album comme ça. Ouais. Hein, les gars, vous avez du papier alu sous vos couvre-chefs? On ne sait jamais. Ah. C'est pour ça qu'on a toujours quelque chose sur la tête. Un transé, le cas de le dire. Une petite mime, oui, en transe. Pendant les JO, je file, ouais. Pendant les JO, il cherche la source, il devient fou et Macron. Faut qu'on arrête de les lire parce qu'on va faire que ça. C'est eux qui font l'émission. Là, on est 12, mais c'est pas assez, hein. Franchement. Ouais, bon, alors. Bien. Déjà bien. Est-ce que vous vous en souvenez de celle-là? Alors que je fais. Tu dis quand t'es prêt, j'arrête la musique. Vas-y, c'est bon. Mais le pays, c'est notre priorité. Juste vivre.
de notre métier. Mais quand il y aura plus que des patates à bouffer, ça va fumer à l'Élysée, ça va fumer sous tes pieds. Lydie. Ça va fumer, ça peut brûler au chantier. L'Élysée. Ok. Voilà, ok. Donc, après, il y a un autre refrain. Okay. Ouais. Dit ok, là. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est... Non, c'est ok dans la chanson. Oui, oui, c'est ça, marrant. Ouais, mais j'ai tout j'avais laissé, compris en fait. Que c'était dans la chanson. Oui, oui. C'est dans la chanson qui est là, là. Oui, vous avez fait ça. Ça vient ouais, de ouais. vous, ça. T'étais pas là. T'étais pas là. Bah, Lily, elle était malade pendant un moment. Donc, mais pourtant, c'est ça, février. Non, mars. Qu'est-ce que je dis? Ouais, ouais. Mars. Alors, ah non, mais il y en a, là... après. Il y a encore des paroles sur les insectes, il y a encore... Ouais. Puis là, il va falloir... Voilà, là, juste pour avancer sur la chanson, il y a le refrain. Alors, le refrain, on entend bien, il n'y a plus que la guitare et puis le... Ça va finir. Là, il manque quelque chose. Ouais. Ah, désolé, j'étais en train de rigoler en lisant. Non, mais... faut pas que je lise le chat. Ça peut brûler au chantier. Lisez. Donc là, comme il n'y a rien dans le refrain de différent du couplet, on va mettre un truc en plus. Voilà. Qu'est-ce que tu mettrais, Phil? Un truc un peu cristallin. Tu vois, qui vole. Un truc qui vole. Toi, un truc qui s'évapore, qui... Comme dans une balade, un truc... C'est une balade, d'ailleurs. Hein, c'est... Oui, c'est une balade, ouais. Ouais. Peut-être genre piano, genre triangle, genre truc volatile, un peu, enfin... Ouais. Toi, t'avais quoi comme idée? Il y a un piano, hein. Ah, il y a un piano, y a un piano. Alors, attends, parce que je suis un peu cocon. Ça me concon. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Je sais, c'est long. Non, ça long, va. Non, mais il y en a long. Hein. Ça va. Ça va. Non, long, entre deux, hein, je peux parler si tu veux. Vas-y. C'est petite info rapido. C'est la journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Moins comme ça c'est sympa, je pense, comme info, non? C'est des mines, les mines qui les font mines boum. Personnelles. Les trucs qui font boum. Voilà, tu vois, les trucs qui font boum. C'est depuis 2005. Hein. Ah ouais? C'est encore l'ONU qui a mis ça en place. Hein. D'accord? Voilà. Ah, c'est encore. Putain. Et je répète pour les gens qui n'étaient pas là en tout début, hein? Quelque chose de très important. Il reste 113 jours, 22h52 minutes. Tout à fait. Pour les JO de Paris ou 146 jours, 22 minutes pour les Paralympiques des Jeux Olympiques 2024. Ça paraît se passer à Paris si Paris existe encore à ce moment-là. Oui, parce que là, on n'est plus. on n'est même plus, ça va se faire ou pas. C'est, est-ce qu'il y aura encore quelque chose? C'est quand même. Ah, j'ai pas retrouvé mon son, tu vas voir. Ah non. Ah, c'était si, bien. Si. C'était ouais, bien, mais c'était chouette. C'était chez Laurette. Ah ouais, Paulette. Laurette. C'est Laurette. Ah putain, allez, j'ai trop. Chier. J'ai retrouvé le son. Ah mais ça, c'est bien, ça vole, ça plane. Ouais. Alors, vous on va aimez voir ça donne. Dites oui. Dites oui si vous posez une question. Vous n'avez pas le choix. Oui, vous n'avez pas le choix. Board. 12 oui. Un, c'est oui, deux, c'est non. Voilà, un oui, deux, non. On ne peut pas encore lancer des... On peut lancer des... Ah, mais arrête de me foutre en gros. Bah oui. Bien sûr qu'on peut lancer des... Des sondages. Bien sûr qu'on peut lancer des... Attends. Voilà. Hop là, voilà, j'enlève quand même le son. Tu veux que je mette quoi comme sondage? Dis-moi. Ben,
Attends que je me gourre pas. Si j'arrive à le faire. Ah, mais non, j'ai pas le droit, moi, maintenant. De oui, quoi? Parce que le calife est à la place du calife. Ah bon, ça marche aussi pour ça? Attends, je regarde. Ah bon? J'attends non. Direct. Ouais. Est-ce que je peux virer quelqu'un? Qui c'est que je vire? Virer d'où? Non, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux plus le faire. Ça, c'est ah, moi, c'est bon, fou. Hein. En fait, il faut que je t'autorise à le faire ou un truc comme ça. Peut-être. Mais... Allez, mettez-moi bon, alors... des 1 partout parce que vous aimez le son qu'il a fait. On peut juste vivre de notre métier. Vous avez mieux entendre là. Mais il va faire Jean-Michel Jarre. Plus d'abord. Que des patates à bouffer. Ça va fumer. Voilà. À l'Élysée. Voilà. Ça va fumer. Ouais. Sous tes pieds. Ouais. Ça va fumer. Ça peut rouler. Au champ. Ouais. Aura... Bien. On a voilà. Une série de 1 là, c'est bien. C'est bien. Ok. Ça fait du bien. Bon, ça fait du bien. Je l'avais déjà enregistré avant. Non. T'étais pas obligé de le dire, tu sais, ça serait passé. Je sais, mais je suis honnête, moi, je peux pas. Je suis obligé de. Nous sommes des 1. Voilà. C'est, je veux dire, c'est normal. Faudrait créer une micro-société. On appellerait une personnelle. Non, mais tu sais, genre, ce que je rêve depuis que je suis tout petit, genre un terrain, tu vois, avec un mec qui s'est soudé, un mec qui s'est coupé du bois, un mec qui s'est tué. Faire du pain. Voilà, tu vois, et pas d'argent, tu vois. Ah ouais. Genre, salut, tu peux réparer mon toit, s'il te plaît. Tac, le mec, il répare le toit. C'est la petite maison dans la prairie. Non, mais sans argent. Et tout, tu vois, et que des maisons en rond comme ça. Et le soir, le feu au milieu, et tout le monde mange ensemble. Oui, la poule, le poulet qui a été tué, le cochon. Si on tue le cochon ou la vache, voilà. Et on partage. Tu vois, on ne se pose pas de questions. Qui c'est qui a fait quoi? Qui a fait qui c'est celui qui a qui fait. Ah, ouais. J'aime bien ça. C'est celui qui a qui fait. Ça pourrait... Hey, tu sais que ça pourrait être le titre d'une émission sur les métiers oubliés. Ah ouais, qui c'est qui a donc fait? Tu vois, un truc comme ça. Qui a donc fait quoi? Qui a donc fait qui a donc fait quoi? Je note. Il faut le noter. Notez dans qui, le chat. Qui a donc fait quoi? Qui a donc fait quoi? Alors, à la suite de Kikiko donc est-ce, on va faire Kikiko donc quoi. Puis après, on fera Kikiko donc quand. Et Kikiko donc quand, ce sera un truc sur l'histoire. Kikiko donc quand. Et, ouais. Et tu vois, ils sont chauds dans le chat pour faire ça. Ben voilà, pas de problème. Ah oui, non, mais c'est l'avenir. Bon, il y en a, ça existe déjà, j'ai rien inventé. Hein. Ça existe déjà, donc bon. Mais bon. Il y a aussi le truc qui est sympa dans certaines communes, comme moi, la commune où je suis, là. Mmh. Ils ont créé une monnaie. Tu vois? Ouais, mais en fait, c'est quand tu rentres dans la commune, certains commerces acceptent la monnaie locale, mais il faut les changer au départ. Oui, et après, il faut la dépenser entièrement dans le village. C'est un moyen de dépenser de la thune. Voilà, c'est moins bien. C'est moins bien, tu vois. Alors que là, par exemple, je sais pas, il y a Alex le Rustre qui est là. Il a un grand terrain juste devant lui. Il nous invite au mois de juillet et on met nos tentes comme ça en rond là. On fait un feu 24-24. Il faut aller couper le bois et tout le bordel. Hein, par contre, il faut tout faire. Hein. C'est les femmes là, qui font. Et on vit tous ensemble et le soir. Et allez, vas-y, on balance le porciné dedans. Et voilà. Ouais. S'il faut le tuer, au début, on n'aurait pas l'habitude, tu vois. Bon, on se mettrait à 3-4. On finirait quand même par le tuer, le bordel. Et puis voilà. Chiche. Alex, il a mis chiche. Moi, je suis capable que s'il y a une gare qui n'est pas loin. Parce que ma voiture, elle est morte. Ah, ça y est, elle est rincée. Ouais, elle est rincée. Et puis, j'ai les pneus lisses. Elle ne passe pas le contrôle technique. Ça fait combien d'années qu'elle n'a pas passé le contrôle technique, tu veux dire? Elle est de 2001. Ah, depuis 2001, alors. c'est...
Gare à 5 minutes. Quand on te l'a donné, quoi, en fait. C'est presque ça. C'est presque ça. S'il y a la gare à 5 minutes de ton grand terrain où on peut mettre une petite tente et faire un feu au milieu, est-ce qu'on a le droit de faire un feu au milieu, Alex? Ah, on n'aura plus le droit. Enfin, si. Moi, je pense que cet été, on va avoir tous les droits, vu qu'on n'aura plus aucun droit après. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a Sam, elle te connaît vachement bien, quand même. T'as vu ce qu'elle a mis? Oui, mais Raël, c'est pas encore ça. C'est pas ça, Raël. Non, Raël, c'est sexuel. Non, sexuel. Ouais, moi, c'est pas... Non, ce sera que cérébral et financier. C'est juste ça. D'ailleurs, Tipeee, bandeau, banderole... Ah, on s'en fout, on prend le droit. Moi, sans déconner, si on part sur le principe que... Ah oui, mais on n'est pas non plus... Oui, mais il aurait fallu qu'on prépare avant. Bah oui, parce qu'il faudrait des poules qui traînent pour que ça fasse du feu. Ouais. Il faudrait... Il aurait fallu mettre des carottes, planter des carottes, etc. etc. Ouais. Et après, c'est pour trois jours. C'est pour trois jours. Je peux amener des allumettes pour allumer le feu, moi. Il aurait fallu voir ça depuis 4 ou 5 ans, en fait. Non, mais c'est pas ça, c'est comme on n'est pas installé sur place, tu vois. Ouais. Oh, mais après, s'il y a une supérette. Oh, putain, mais non, mais c'est pas ça le truc. Mais déjà, ça serait cool de se rencontrer hein, et de partager un feu le soir. Hein. Bah ouais, ce serait bien. Eric, dans quel coin, avec son instrument acoustique, c'est-à-dire son piano à queue. Moi, je viendrai avec sur l'épaule. Ouais, bon, on fait la teuf. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce que c'est ce bruit? On fait la teuf autour du feu, voilà. On ouais, aura que trois tentes. Moi, j'ai un petit couteau pour couper du bois, des brindilles. De temps en temps, je vais couper des brindilles. Et on n'achète pas de PQ. On sert d'un coquillage. Comme dans... Tiens, tu veux ton coquillage? Ceux qui ont la référence. Ouais, une rencontre de Zicodernos, comme tu dis, Lily. Ouais, ça serait bien. Ouais, tu sais, comme l'année dernière. À part que là, c'est plus facile parce que, en fait, c'est. On prend le train, on débarque et puis voilà, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de barnum. Juste une semaine et puis voilà. Ouais, une semaine, voilà. Tu prends deux jours, trois jours là-dedans. On va dire qu'on réserve une semaine. Mais après, les gens ne vont pas pouvoir rester une semaine, tu vois. Il y en a qui viennent un jour, l'autre deux jours, trois jours. Il y en a qui vont rester toujours. Il y en a deux qui vont rester tout le temps. Ouais, je reste deux ans. tu restes deux heures, deux jours? Non, deux ans. Non, j'agre pas avec les mains, tu te torches pas avec les mains. Il y a des feuilles. Non. Et ça existe, les arbres. Il y a des orties, il y a des ronces. Voilà, tu sais faire le feu avec du bois mouillé. Ah, ça vous tente, ça, j'en suis sûr. J'arrive à faire du feu avec un litre de pétrole et du bois mouillé. Et par contre, on regarde rien. On regarde pas géopolitique profonde, on regarde pas Rémi, on regarde pas Gourou, on regarde pas... Gourou, qui c'est Gourou? C'est nous, c'est personne. Nous. Ouais, c'est toi, elle a dit c'est toi. Elle a dit. Ouais, c'est moi. Sam, elle a dit que c'était toi. Appelez-moi Néon. Pourquoi tu mets pas Néon en dessous, là? Sam, t'as bien raison. On manque pas de moutons en France. On pourrait bouffer pendant un moment. Yeah. Non, je te dis, Jacques, on regarde pas Gourou Alexis. Mais c'est pas possible, ça. Si, moi je le mets pendant que je fais la vaisselle. J'écoute. Non, mais là, autour du feu, en train de discuter. Si, il est invité. Bien sûr, et boire de l'eau. Non. Du coca? Ouais, du coca, ça va, du coca. Mais non, après, mais. Si je vais faire du whisky coca. Hein, c'est... Alex, il habite en France, hein, Lily. Hein. Il n'a pas de cactus. Hein. Ah non, c'est des actus, pardon. Je cache trop loin. Ça craint. Oui, il faut déco, des actus, voilà, c'est ça. Bon, Alexis, alors là, vous le mettez dans les oreilles. Hein. Puis voilà, pour pas déranger les autres qui voudraient faire éventuellement une sieste autour du feu. Pourquoi j'ai plus de commentaires? J'ai plus les commentaires. Oui, on chante autour du feu. On chante Macron, destitution, ma.
Comme ça, on aurait des photos de ouf à partager entre nous. Tu m'étonnes. Un bon moment, quoi. En plus, pour les photos, on s'en fout, en fait. C'est juste un moment à garder dans la tête. Bah oui, tu as dit sans appareil, sans rien. Non, j'ai dit qu'on n'écoutait pas les machins. Ah, les infos. Ouais. On peut regarder les pubs. On regarde juste les pubs. Clique sur la souris, Eric. C'est Gulli qui te donne ce conseil. De quoi ? Salut Jérôme. De cliquer sur la souris ? Ouais, pour que tu voyes les commentaires. Ça y est. Ouais, si, les photos, c'est souvenir. Alors, on fait des photos avec des appareils à pellicule jetable. Enfin, tu voyez ce que je veux dire ? De la vraie pelle. Oui, des polaroïdes. C'est comme des polaroïdes. C'est grand comme ça, c'est tout rikiki, c'est la moitié d'un polaroïd. Déjà qu'un polaroïd, c'était pas gros, mais alors là, c'est la moitié. C'est un peu plus grand. Ouais. C'est un peu plus grand. Non, mais moi, je pensais carrément à l'appareil jetable avec les vraies pellicules. Tu sais, ça sort. Ah oui, oui, oui. Les vraies photos, quoi. Ça existe encore, ça ? Non, ça existe. Ah, si, c'est peut-être en train de repartir, de faire revival, ça. Oh oui, ça doit faire revival. Mais là, ce que j'ai vu, c'est un appareil grand comme ça. Ouais. Puis t'as un flash, t'as comme un appareil numérique, quoi. Et puis clique. Et hop, t'as une photo qui sort. Ouais. Papier, Polaroid, ouais. Comme un Polaroid, ouais. Et c'est une nouvelle technique thermo machin là. Et ça fait comme une photo argentique. Ouais. Mmh. Oh, voilà quoi. Alors après, est-ce qu'il y a une photo numérique ? Je pense pas. Je pense qu'il y a une photo numérique qui est faite quand même, et après c'est un scanner, tu sais, une imprimante thermique qui imprime le truc. Alors je sais pas. Ah ouais. Tu vois, oui, des photos instantanées quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est tous autour du feu. Si elle nous plaît pas, la photo dans le feu. Hop, terminé, bonsoir. Alors ça dépend dans quelle région, parce qu'avec les chemtrails. Fais gaffe, quand même. C'est quoi ? Les chemtrails. C'est le papy Mougeot qui voit des chemtrails partout. Ah oui, d'accord. Tu sais, les trucs dans le ciel. À l'instantané. Ouais, on va quand même pas faire un camping avec un masque à gaz, quand même. Faudrait pas déconner. Non. Non, puis en plus... Il y a un truc que les gens ils ont oublié quand même, c'est qu'on est au mois de mars, enfin mars-avril, là on est début avril, et il semblait qu'il n'y avait pas des giboulées au mois de mars. C'est les giboulées. Parce que là, ils disent, il y a des nuages, et puis hop, il y a les chemtrails, et puis après il pleut. C'est ça le truc, quoi, en fait. Mais non, ouais. c'est qu'en fait, c'est les giboulées de mars. Ça pleut. Voilà. C'était quand les saintes glaces ? Je sais pas. Je suis pas allé au catéchisme. Bon, en tout cas, non, mais les saintes glaces, c'est un truc. Oui, t'as raison, il y a un lien. Mais c'est surtout un truc de paysan. Si ça gèle, c'est le dernier jour qui gèle normalement. Ah, ça en mai. Voilà, tu vois, c'est encore tard. Ah ouais, peut encore geler. Oui. Ça peut encore geler en mai. M'étonnerait. Enfin, moi, je suis pas météo, machin. Je suis pas. Alors, disons que ça arrive dans certaines régions françaises. Ouais. Bon, ouais. En tout cas, voilà. Hein. Rendez-vous sur le Discord si des fois vous voulez discuter avec Alex. Je fous Alex dans la merde. Alex, envoie les plans. On débarque à la gare. Voilà. Ok. Ah oui, j'ai quoi comme excuse ? Moi, j'étais en famille. Du 11 au 13 mai, les saintes glaces. Bon, ben voilà, tu vois, c'est le dernier jour où ça, si ça gèle là, ça s'annonce mal. Ouais. Il me semble que c'est ça, hein, si je me trompe pas, mais je peux encore me tromper, évidemment. Donc, tu as mis ton synthé. Ouais, ça y est. Donc, ça donne ça. Ah, déjà, ça commence bien. Hop. On nourrit le monde entier, mais le pays, c'est notre priorité. On
veut juste vivre de notre métier. Mais quand y aura plus que des patates à bouffer, ça va fumer. Allez, ça va fumer sous tes pieds. Ça va fumer, ça peut rouler au Champs-Élysées. Quand y'aura plus rien à bouffer, on te flambera au Grand Marnier. Et on regardera ta tête au bout d'un piquet, et tu sentiras la saucisse crier. Ça va fumer à l'Élysée, ça peut fumer sous tes pieds. Ça va fumer, ça peut voler. Je ne donne pas cher de l'Élysée. Yeah. Fumier, tu n'es qu'une petite crotte. Ouais. Nous allons nous coller à tes bottes. Ouais. Chichi, tu nous pipotes. Ouais, là, faut changer les paroles. En chantant ta petite culotte. Ça va fumer à l'Élysée. Ça peut fumer sous tes pieds. Ça va fumer, ça va saigner comme une entrecôte. Alors là j'arrête parce que toute la suite c'est pas bon. C'est là où je donne tous les plats là. Un filet mignon. Je t'entends plus. Oui, je me souviens bien. Et je disais à Jérôme que j'avais capturé une chanson contre la loi de censure, pourquoi pas. Tac. Oui, mais... alors je sais pas moi comment la faire évoluer celle-là en fait en vrai. Ah non, mais après, là il faudrait que je la rechante, mais si vous voulez, je la rechante maintenant, si vous voulez. Non, t'es pas obligé, mais. Mais après c'est ça. Un filon mignon doré. Ah, tu vois, un filet mignon doré. Ouais, d'accord. Oui, un petit style Gainsbourg, ça fait penser à. C'est-à-dire que je m'en vais peut-être un peu. Ouais. Oui. Voilà. Paye ta censure. Attends, mais... Ouais. Ouais. Putain, je l'ai paumé. Ça y est. Ouais, c'est pas possible ça. Je vais alors. Ça va fumer, on va s'enculer à l'Élysée. Oh, on a le droit de dire s'enculer ? Oh. Bon, qu'est-ce que tu crois qu'il fait Oh, c'est vrai, on a le droit. On a le droit de. C'est pas ce qu'il fait à chaque fois qu'il tente quelque chose avec Birgit ? Hein ? Moi, je sais pas, mais. J'ai l'image là, d'un coup. Ouais. Je pense pas que. C'est pas une insulte pour lui, c'est juste un constat. Salut Guillaume. Alors. Salut Guillaume. Je vous dis, moi je peux la rechanter. Mais sinon. Sodomiser peut remplacer. Non, mais la voix est pas bonne. Hein. De toute façon, la voix de derrière. Ah, tu vois, enculé, sodomiser. Derrière, bah oui. On se refait pas. Enfin, si, c'est pas qu'on se refait, c'est que. On est dans l'air du temps. Alors. Sophie. Sylvie, pardon. Tu les dois te cacher. Alors, allez, tchao. Doigt, on peut mettre doigt, D-O-J-I-T. Doigt écarté. Ouais, on est un peu mou ce soir, je suis d'accord. C'est qui a mis ça, que je le vire ? Non, c'est moi qui le dis tout seul. Bah, vire. Ok, salut. Attends, il faut que je retrouve ma souris. Attends, elle est où ma souris ? Hop ! Voilà ! Ça y est, nous sommes en... Non, merde, il est revenu. Tu croyais pas que je... Non.
Alors, bon, ben celle-là, de... non, mais franchement, là, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Rien. Hein. Là, en fait, on peut un commencer. Peu... Alors, Alex, on n'a pas perdu le texte que tu avais lancé sur les insectes, je tiens à te le dire. Ouais. Mmh. On a juste bloqué la musique pour l'instant, parce qu'on a... bon, on doit être à combien, 6-7 titres, là? Oui. Hein, oui, ouais, donc faut... c'est pour ça qu'on essaie de terminer ces deux-là. Enfin, il y en a un qui est terminé, mais il y en a encore... là, il y en a qui découvrent, en fait, des trucs qu'on a fait il y a quelques mois. Oui, ouais, c'est ça. Il commence à y en avoir sérieux, quoi. Donc, il faut que musicalement, etc., qu'on arrive à les finir. Donc, on peut récupérer des idées, des textes, etc., mais pas... Pour l'instant, on va pas... On va attendre un peu pour les mettre en musique. Parce que là, en plus, comme il va faire beau, on va plutôt... Alors... Ce que je pense, mais c'est perso hein, après, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que là, il faut se concentrer sur ce qu'on a déjà pour pouvoir sortir un truc fin mai. Ouais. Et puis après, bastonner pour essayer de faire passer ça le plus possible. Quoi. Ouais. Mmh. Voilà, quoi. Fin mai. Donc du coup, il y aura un clip, il y aura tout. Nous, on déposera tout avec une partie qui va être réservée à ceux qui ont mis leurs paroles. Nous, on va réserver nos parties, on laissera une partie. Voilà. Pour des gens et on décidera au dernier moment si ça marche ou si ça marche pas, mais elle restera libre. Voilà. Et après on Jérôme, oui, pardon. Pardon. Non, vas-y. Je dis une chanson contre la censure, ça vous parle savoir. Oui, bah ouais, non, mais ça tourne vinaigre. Ouais, mais bon. Moi, je crois pas que ça passe, mais bon. Moi, je pense pas que ce soit applicable. Donc, à partir du moment où c'est pas applicable, ouais. C'est de la bullshit, c'est juste pour foutre la trouille. Vous allez avoir de la prison. Tu te rends compte que tous les trucs qui passent, c'est peine de prison et des amendes délirantes. Ouais, bien sûr. Donc, c'est inapplicable. Et puis, le premier avocat, il va dire c'est. Voilà, le premier avocat qui va réussir. À faire tourner le vinaigre, si jamais elle passe, la loi n'est toujours pas passée parce que c'est pas possible. Enfin bon, ça va être un bordel quand ça va passer. Et non, mais c'est inapplicable dans l'état actuel de la République. Maintenant, je connais pas toutes les lois par cœur, mais ça, tout du moins, est-ce qu'on est encore en République? Ouais, bah non. Alors Jérôme, juste une idée de chanson à 135 €. Juste une idée de... Mais ce ne sera pas 135 € parce que si on a une amende par mot, ça va faire beaucoup plus cher. Ça va s'enliser à l'Élysée. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Alors la loi, elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée au Sénat. Doit repasser devant l'Assemblée. Oui, c'est là où SACEM envisage de taxer les musiques de funérailles. Maintenant, oui, tous les, à chaque fois que la musique est diffusée, voilà, ils essaient de. Même si c'est de la... même si, il y a un truc dont je me suis souvenu, c'est ce qui avait marqué sur les 45 tours, c'était diffusion publique autorisée jusqu'à dans le cadre et dans le cercle familial. C'est ça. Donc déjà, rien que ça, ça marche pas. C'est toujours le cas. Hein. Tu peux toujours voilà. Faire écouter donc, à toute ta famille à la maison, donc, tu vois, ou donc, dans ton terrain. Ou à l'église, ou au cimetière. Maintenant, si c'est un cimetière communal, je sais pas. En général, je sais pas... Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions françaises, mais au cimetière, c'est rare qu'il y ait de la musique. C'est plutôt, tu sais, là où le corps, enfin, pas le corps, mais le cercueil est exposé, où les gens viennent se recueillir et tout ça. Tu vois, c'est un truc, tu sais, le truc des. Voilà. C'est là où il y a souvent de la musique. Puis il y a des fois des petites cérémonies, mais ce n'est pas toujours à l'église non plus qu'il y a des cérémonies. Ouais, mais maintenant, ils mettent. C'est vrai qu'il y a certains enterrements où les mecs, ils mettent le meilleur morceau, ils mettent, je sais pas, il paraît que le truc le plus
le plus mis à un moment, c'était la musique de Ghost. Oh my darling, voilà, c'était voilà. Je dis pas le nombre de mecs qui ont mis Staying Alive. Staying Alive. Ouais. Aussi. Unchained Melody. Je vais essayer de choper ce que j'ai vu là. Voilà. Donc j'ai noté 2-3 trucs, hein, les trucs j'ai noté des trucs à Sylvie, les trucs à Jérôme, les trucs je note. Bah, c'est pas mal Malou de découvrir le classique, mais tu sais que le classique il y a des droits d'éditeur et des droits de reproduction mécanique. C'est-à-dire que si tu mets un disque, tu payes. Pas de SACEM dessus, c'est le seul truc. Oui, mais en fait, il n'y a pas de SACEM, mais elle s'est remplacée par l'édition. En fait, quand tu prends un morceau classique, tu n'as que l'édition dessus. Les droits d'auteur, c'est l'État qui les prend. S'il y en a, ou s'il n'y en a pas, bah, il n'y en a pas. Quoi. Ouais. Allez, lisez vos prompteurs. Roy Robinson. Allez, lisez vos prompteurs. C'est pour nous ? C'est pour nous, ça ? Ouais. Jagre ? Je sais pas. Ouais. Jacques. T'as une réflexion là, Jacques ? Hein ? Allez, lisez, ouais. Allez, lisez. Bon, bah, je vais te le choper, celui-là. Ah, allez, lisez ! Ah ! Tu vois, comme quoi. Est-ce que je le prends tout mal ? Parce que je le vois plus. Alors, tu nous dis. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est. Alex qui dit qu'il nous a envoyé une vidéo. Est-ce que tu l'as mis sur le Discord, par exemple? Tac, ça je le mets là. Il suce, il suce. Oh putain. Ah là là. Donc voilà, je répète, hein, on est en train de finir les morceaux qui ont déjà été créés, dont celui que vous avez entendu là à l'instant. Et après, on a déjà des paroles pour une autre chanson. Donc c'est quand l'équipe Alex est arrivée sur l'émission. C'est sur les insectes. Et après, ça sera tout. Enfin, là, on est ouvert à d'autres idées. Par contre, il faudrait des idées de clips. Or, Macron... alors, j'ai une idée de clip, moi, pour Macron destitution, qui serait le plus rapide à faire. Là, je vais partir demain. Je pars demain pour 10 jours ou une semaine. Et là-bas, je vais essayer de faire ça à fumer. Parce qu'il y aura des vaches, il y aura des trucs pour faire une ambiance... campagnarde, champêtre. L'odorama n'existe pas encore. Non, mais on se mettra de la bouse sur la gueule et tout. Je veux y voir, moi. Vous avez on va faire des off, hein. On va se prendre des trucs dans la gueule. Ah non, mais de toute façon, on verra pareil. On va pas voir quelqu'un. On va voir. Peut-être GG va faire la guitare comme s'il faisait semblant de jouer de la guitare, tu sais, dans le fond. Bah oui. C'est un personnage que vous connaissez peut-être dans le son de jazz. Il est là, quoi. Donc, il va sûrement reprendre son... Je vais peut-être lui demander de reprendre son rôle. Dans le fond, il sera toujours... Oui, non, mais tu fais comme tu veux. Hein, c'est... Peut-être. Mais sinon, il y aura peut-être une vache, une chèvre ou un mouton. Quoi. Il y aura peut-être... J'ai bien envie de prendre plein d'animaux. Tout est bon avec là-dedans. Moi. J'ai envie de faire autour de moi plein d'animaux. Tu vois, d'être un tracteur. Moi, il me faut un tracteur, une vache, un cochon, une chèvre et un cheval. Alors là, je suis le prince. Allez, tourne, ça tourne. Et puis, ça va fumer à fond. Oh, donc ah, là, je mettrais peut-être des oreillettes. C'est un truc de retour avec des oreillettes. Ouais. Ouais, parce que ça craint un peu quand même. Pareil, Macron destitution, où est-ce que je vais le tourner?
Ouais. Parce que j'ai, au bout d'un moment, j'y ai pensé. Puis soit je le fais dans la journée où il n'y a personne, mais j'ai des scènes de nuit à faire. J'ai des plans de nuit à faire. Et là, je suis obligé de faire ça à 22h. Macron dans la cour, sur la terrasse. Macron, destitution. C'est pas fini ce bordel. Donc là, peut-être des oreillettes, faire un truc. Avec un casque sur les oreilles, peut-être. Faire un clip avec un casque, c'est pas très drôle. Ah, c'est interactif. Quoique, ça peut être marrant parce que tu peux faire aussi le plan à la fin du clip, tu retires le casque, il te fait. Je pouvais pas faire plus fort parce que sinon je me serais fait arrêter. Tu vois un truc comme ça. J'ai pas le droit pourquoi normalement. Pas. Tu vois, ça peut faire un truc. Non mais je suis désolé, je suis mort de rire à cause des conneries qu'il envoie là. Je suis désolé. Alex. Attends, mais c'est sur ça. Discord. Non. C'est sur Discord. Regarde. Et c'est sur quoi c'est qu'est-ce sur, qu'il dit il y a MSN. C'est Macron qui embrasse Machine, et puis il lui dit je bande, et l'autre répond moi aussi. Ouh, attention, toi. Hein. Ouh, attention. Hein. Oh, toi, attention. Hein. Ouh, tu vas avoir des problèmes. Lire, hein. Ouais, Emmanuel, votre épouse a vraiment des grands pieds. Et encore, vous n'avez pas vu sa pied. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, on arrive, on est au fond, moi. Et pourtant, il faudrait qu'on vous fasse rigoler, mais là, oui, on vous fait rigoler, allez. Oui, on est des séditieux. De toute façon, maintenant, je pense que même complotiste, séditieux, ça ne veut plus rien dire. Ah bah non. Oui, des animaux, je veux des animaux. Je sais, j'aurais pas le droit d'être au milieu des animaux. On va me traiter de zoophile direct, quoi. Pour un peu qu'il y ait un petit animal, je sais, je serais zoopédophile. Zoopédophile, hein, tu vois. Fais gaffe aux hamsters. Hein. Ou pédosolide. Ou pédosolide. Fais gaffe aux hamsters. Hein. Ouais, ouais. Dans le, ils explosent quand tu les... Quand tu t'en sers. Ça craint, les filles, ça craint. Putain. Mon Dieu, mon Dieu. Là, là. Et alors, Alex, c'est intéressant. Destitution en mode clip sur la révolution et la guillotine. Mais tu as les moyens, Alex. Tu as un grand terrain avec 800 figurants et une guillotine. Moi je veux bien être figurant, mais pas les guillotinés. Ouais. Hein. Parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui bricole la guillotine. Ouais, déjà, est-ce qu'on a le droit de fabriquer une guillotine? Ouais, c'est une arme. Un hein. Cigare pour le cigare. Ça me rappelle un film, ça. Une circoncision qui se termine au coupe-cigare. Ah, bah voilà. Ça, voilà. Mais... Ouais, non mais... Pour la fête de la musique. Ah oui, il a fait de la musique, c'est vrai. Je crois que ça fait 15 ans que j'y suis pas allé. Toi, tu l'as fait, la fête de la musique, de toute façon. Ouais, ouais. Enfin, je l'ai fait jusqu'à l'année dernière. Hein. Cette année, je sais pas. Ah oui, l'année dernière, tu l'as fait avec ton fils. Ouais. Enfin, je l'ai fait chaque année, hein, dans un bar, dans un machin. Mais là, cette année, je sais pas. J'ai pas de proposition, en plus. Alors attends, Guigui vous fournira la guillotine. Ah, tu l'as. T'as une guillotine. Ouais, mais t'as une petite guillotine. Mais ça peut être pas mal. Par contre, si tu peux prendre des photos, on peut faire du graphisme avec. Ça peut être bien. Bon, bah, Jagre, c'est bien. Merci, Jagre. Ouais. Jagre, il se sacrifie pour faire le rôle de guillotine. Mais j'étais sûr qu'on pouvait compter dessus, de toute façon. Tu vois, Eric, il suffit juste que t'ailles au rendez-vous chez Alex vers Toulouse. Il y a la gare à 5 minutes de chez lui. Au mois de juillet ou au mois d'août, on va mettre ça en place, on verra, avec une petite tente dans le dos. Et tu pourras filmer ton long métrage. Mon long métrage.
Oui, mon oui. Dieu, my God, quel long métrage. Macron destitution version longue, puisqu'on aura des figurants, des figurantes, un guillotiné, une guillotine, des moutons. Il y aura même, tu vois, un mec qui fera tourner la viande sur le feu. Enfin, je veux dire, on est bien. Et il y aura Gérard Depardieu et Stéphane Cuvelier en Astérix et Obélix. Voilà. Moi, je peux faire Depardieu, moi, sans problème. Ça va, ça. Non, le vendeur de poissons. Oui. Comment il s'appelle? Ordre alphabétique, c'est pas ça? Ah, peut-être, je connais pas grand-chose. Mais je le vois. Celui qui se fout toujours sur la gueule avec le ferronnier. Le forgeron. Qui lui lance du poisson. Qui lui lance des poissons dans la gueule, et l'autre, il lui lance des enclumes. Ah, bon, bah, voilà, Jagre, très bien, il en a marre de vivre en démocratie. Ouais. En démocratie. Alors. En démacronie. En démacronie. Voilà. Quoique, attends, parce que si tu dis en démacronie, donc c'est supprimer Macron, maintenant on passe de la démocratie à la démacronie. Ça, c'est pas mal, ça. Il faudrait garder pour une chanson. On va peut-être coller ça quelque part. On peut le noter, tu crois? Dis-moi, redis-moi. On n'est plus en démocratie, on est en démacronie. Donc, bien, c'est qui a dit ça? Qui c'est qui l'a dit, non, ça? C'est pas Jagre? Je pense que c'est Jagre, attention. Jagre. Voilà, c'est ça. En démacronie. Voilà, il en a plein le cul de vivre en démacronie, donc Jagre, un demi-point. C'est bien. On est le 3 avril. 3 avril. Le gland ou les noisettes. Ah oui, alors, ouais. J'ai encore gagné. T'as un peu un complexe. Hein. Ça s'annonce bien, tout ça. Mais ouais. On va faire les cons chez Alex. Il est grand, son terrain. Il fait combien d'hectares? Oui, il a 10 000 mètres carrés. Ah, il a un hectare, quoi. Non, mais je sais pas, moi. Un hectare, on peut faire un camping. Atelier musique, je dois être sourd. Non, mais on a fait un peu de musique. Oui, Jérôme, promis. C'est vrai, hein. Tu veux qu'on le remette? Non, de toute façon, on va la dernière chanson. Non, on va remettre Macron destitution. Parce que là... Combien on est là? 58. Ouais. 58. Voilà, parce que effectivement, là, on essaie de si vous montrer un truc de plus à chaque fois, quoi. Ouais. Si tu veux, je répète. Si des fois Jérôme il a pas entendu. On a plein de morceaux à terminer au niveau travail réel dessus. Arrangement, enregistrement, mixage, mastering, clip. Donc, on va être à 7. Chanson minimum et 7 maximum. Voilà. 7, c'est déjà 7 clips. C'est déjà chaud. Hein. J'ai plus 20 ans. Ou alors ce sera des clips tout pourris. Ça peut être un clip tout pourri. Hein. C'est genre, je suis devant le micro, je fais gaga. Là, je voulais me mettre devant le micro, mais avec un autre éclairage, d'autres plans, des trucs un peu plus dans d'autres décors derrière. C'est faire bouger les décors sans être sur un fond vert. Donc, ouais. il faut se déplacer beaucoup. Et à chaque fois, chanter toute la chanson au moins 4 fois. Ouf. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux avoir des petits écouteurs. Vu que tu vas aller à plein d'endroits où il y a plein de gens, si tu mets Macron destitution, il faut que les gens ils aient l'air d'être... Il ne faut pas qu'ils soient perturbés. Tu veux pas qu'ils fassent ça avec toi? Ben non, il faut que ce soit justement comme... Tu vois, que ça fasse un contraste. Après, pendant qu'il y aura des applaudissements et tout ça, là on verra des gens... applaudir. Je ne sais pas comment, il faudra trouver une image quelque part. Alors, oui, on est ça, en Macronie. Hein. Mais c'était une expérience d'être en démocratie. Démacronie. Dis donc, Sophie, c'est quoi qui avance pas beaucoup? Attends, c'est vachement long à faire tout ça. Hein. Je te jure. Hein. Non, mais, il y avait juste non, mais à pondre trois trucs. Ah.
Moi, je pensais que tu parlais, Sophie, si tu parles de ce qu'on fait avec les musiques et tout ça. Ouais, c'est long. Hein? Je disais, si Sophie disait que c'était long par rapport à ce qu'on fait, oui, c'est long. Oui, tu vois, tu as 3000 mètres carrés. Bon, bah voilà, moi j'ai besoin de 3 mètres carrés. Bah, on peut être 1000. Mmh. Avec des lits superposés, ce serait bien. Voilà, est-ce qu'on peut couper des arbres qui sont presque morts? On peut couper des arbres. Avec 3 lacs? Ah bah c'est bon, on pourra même se baigner pour se laver. Ouais, non, mais t'inquiète, Sophie. Hein, t'inquiète, je suis pas fâché après toi, tu sais que je t'aime. De toute façon. Il a 3000 milliards. Je l'agrée. Non, mais il en a 3, je pense. Ah, il en a 3, ben... Moi, je pense qu'il en a... Il en a 3 ou 300 millions, mais en tout cas, on a dû lui en promettre 3 pour faire tout ce qu'il fait. Je vous dis. On sait qu'il y en avait 4, en fait, dans le couple, de chacun. Mmh. Moi, je pense qu'elle s'est déjà servie. Ah, une reprise de Daya Nakamura. Ah ouais, ça serait bien. Ouais, qui c'est qui fait la fille? Non, qui c'est qui fait le mec? Pardon. Avec l'autre, là, l'autre pétasse. Là. Ah ouais, tcha tcha. Ah tcha tcha. Ah tcha tcha. Ah, ah, non, mais faut la prendre, elle. Faut la piquer. Mais attends, ah ouais, attends, regarde. Mais on est dans un pays de fous! De fous! Ah, ça faisait trop longtemps, ça fait trop plaisir. Tcha tcha. Ouais. Ouais, est... ouais, ouais. Alors qu'il y en a qu'un amoureux, c'est Jojo. Jojo. Ah ouais, c'est Jojo. Jaja, jaja. Ah, tcha. Et derrière, tcha tcha. Ah non, non, c'est pas que ça. C'est... Madame, faut sourire pendant que vous parlez. Ah ouais, j'arrête pas de rire, alors comment tu sais? Regardez, ça à toi. Oui, je sais. J'arrive pas à me décoincer. Tcha tcha. Regardez, tcha tcha. J'arrive pas à le déplacer, le truc, il est collé. Une bombe là-dedans, moi. Ouais, vous foutez cette norme. You. You. Y'a caca, moi. Ouais. Ouais. Moi, je dirais caca, 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 caca. On peut se finir, on peut se finir avec... on peut se finir, comment je parle, moi, mais, enfin, ouais. On peut se finir avec... McDan aussi, hein. Ouais, on va se finir avec ma. On peut faire les deux, à la limite. On met les deux, on enchaîne les deux. Si tu veux. On met quoi d'abord? Grande discussion ce soir. Moi je dis, on met Macron destitution, là, puis on se regarde, et puis on fait ouais, super, super. Et après, prof, McDan, et au revoir. D'accord. Allez, vas-y, on voit. On voit Macron. J'envoie. Il a dit qu'on fait comme ça. Hein. Ouais, faut faire des signes. Faut faire des. Parce que maintenant, comme on n'a plus le droit de parler, on peut faire ça. Ah, je me suis niqué le doigt. Ah, putain. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Tu vois, tu peux faire rien. C'est bizarre comme mec, quand même. Ouais, je suis. Hey. Non, mais quoi, là? Mercredi. Vendredi, il va être chez son pote. Hein. Donc, ouais, il va faire un direct. On va faire un direct découverte studio d'enregistrement. Ouais. Tu prends le train? Ouais, demain midi. Oh, c'est joli. Tu nous feras un petit live de l'intérieur du train? Non. Culé. Une heure de train, je vais me faire chier. Enfin bon. Attends, je le mets en ordre bouclé. Hein. J'ai enlevé la boucle. Va te faire une tirelue. Alors là, c'est... Je vous lèche aussi. Ton sage, elle est casse-faire. Ah ouais. Vendredi, ouais, c'est une boucherie. La flûte, ce serait vraiment une belle consulte. Mais tu préfères les brutes.
Bon, allez, on met la patate. Hein? Vas-y, vas-y. C'est des vrais, hein. Eddie sort de ce corps. Je suis plus à l'aise, Blaise, ouais, te plaît, pas de blé, mec. Tu vas manger ton steak. Avec moi, tu seras plus jamais à l'aise. T'approche pas de la falaise. Quand tu repars avec ta pute, c'est bien pour tirer des buts. Arrête de nous jouer de la flûte. T'es occulte, t'es inculte. Macron, destitution. 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 Voilà, allez, bisouille, à vendredi les amis. Bon courage Eric, dans le train. Salut, je repars tout de suite, hein, parce qu'il faut que je fasse ma valise. Vas-y, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir monsieur, dame. À bientôt au chez revoir. Alex, au mois de juillet ou au mois d'août, oui, pour faire la teuf autour d'un feu de camp. Tous ensemble, oui, ça va être la fête, on va cramer des trucs et tout. On va tout brûler. Ciao, ciao. Que pays a élu son... Que pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des camions, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin? Et toi, tu as vu mon canon comme il tire bien? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium et je te prêterai mes camions de soldats. Et puis il y a des rois des fous qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olives nucléaires. Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas dans l'histoire, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs canons, leurs avions. Et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la Terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.